Je suis conseillère aux entreprises, je suis douanière. Je m'appelle Florence Wagner et je travaille à la cellule conseil aux entreprises, à la direction régionale des douanes de Dunkerque. Donc je suis rentrée en douane en 2004, j'ai fait de la comptabilité, du recouvrement. Puis à ma sortie de l'école d'inspecteur, j'ai été affectée à Roissy où j'ai fait des missions de contrôle. Ensuite j'ai été mutée à Dunkerque, au pôle gestion des procédures, puis à la cellule conseil aux entreprises où je travaille aujourd'hui. Nos missions, c'est de conseiller et d'accompagner les entreprises dans toutes les démarches qu'elles doivent entreprendre avec la douane et aussi de les accompagner dans leur connaissance de la réglementation, dans la mise en place de leurs procédures et plus généralement tous les projets qu'elles auraient à l'international. Globalement, je travaille au bureau. Les jours où je suis en rendez-vous à l'extérieur, je prépare mon rendez-vous, je me déplace dans l'entreprise et puis je retourne au bureau et là, je rédige le compte-rendu. Parallèlement à ça, on a tout le traitement des mails qui se fait dès qu'on a le temps, dès qu'on est au bureau. Donc une journée type, elle commence entre 8h et 8h30 et elle peut se finir entre 17h30, on va dire, et 19h. Des conseils, c'est surtout ne pas se censurer, ne pas se dire que c'est trop difficile ou trop compliqué. On a parfois cette vision du pôle d'action économique et de la cellule conseil d'un poste très compliqué parce que c'est vrai que c'est réglementairement très, très exigeant. Mais on apprend, tout s'apprend et puis au début on tâtonne et le conseil principal c'est d'avoir confiance en soi et d'oser en fait. Là il faut un peu d'assurance, il faut beaucoup de connaissances aussi. Alors la principale difficulté je dirais que c'est la connaissance de la réglementation. Les impressions que nous renvoient les entreprises en fait, sur le service qu'on leur rend, elles sont toujours très positives parce qu'on est dans un service qui apporte un accompagnement et un conseil. Donc elles sont toujours contentes de notre prestation. Même le simple fait d'être accompagnées, même lorsque nous on a l'impression de ne pas leur avoir apporté suffisamment de conseils ou de fonds réglementaires, elles en fait leur impression c'est la douane est là, la douane m'écoute, on se déplace chez elles. Donc en fait le retour il est toujours très positif et c'est ça aussi qui est hyper intéressant dans ce poste, c'est qu'on a toujours beaucoup de gratitude des entreprises qui sont vraiment très contentes qu'on passe du temps pour elles, que ce soit au téléphone ou dans leurs locaux. C'est vraiment un retour qui est très très appréciable, toujours positif. Dans le prochain épisode, découvrez le portrait de Corentin, marin-pont de la brigade garde-côte de Dunkerque. Il nous présente son parcours, son poste et son rôle pendant et entre les missions en mer. À très bientôt sur la chaîne YouTube de la douane.